Shalom, chers adorateurs, shalom, chers enfants de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la joie du Seigneur, nous allons prier en ce jour avec la première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, bienveillance, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Tu es l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre, Saint-Esprit. Et ce matin, tu es venu nous rappeler combien il est important pour nous, enfants de Dieu, de nous laisser conduire par toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et la gloire de ton Père est que nous portions du fruit. Et nous voulons ce matin, Seigneur, être comme cette terre que tu viens arroser de ton onction, de ton eau vive, Seigneur. Nous voulons porter du fruit en abondance. Nous voulons, Seigneur, qu'en nous, Seigneur, demeurent les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi nous crions encore à toi, Saint-Esprit. Nos âmes soupirent après toi, Seigneur Esprit Saint. Te demandons ce matin de nous donner la grâce de manifester les fruits du royaume. Alléluia. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, oui, viens.
De ta joie. Remplis-nous de tes fruits. Donne-nous, Seigneur Esprit Saint, de nous laisser conduire par toi. Ne nous laisse pas aller là où tu ne veux pas aujourd'hui. Ne nous laisse pas dire ce que tu ne veux pas aujourd'hui, Saint-Esprit. Que ton onction, que ta grâce demeure sur nous, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église et dans le monde. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, et par l'intercession de tous nos anges gardiens, nous t'avons prié et nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que nous allons expérimenter en ce jour la grâce d'être véritablement conduits par toi. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.